Bonjour, et ben voilà, donc c'est le matin, il est 4h13, j'ai rendez-vous avec Oliver à 4h50. Je me prends vraiment mon petit café là, tranquille, et puis voilà quoi. Donc je vous avoue que ça pique les yeux et ça fait mal aux cheveux. Mais au moins, il me faut un petit café pour au moins survivre tout ça, parce que là c'est vraiment tôt le matin. Et ça pique même. Oh, mais il est où? Ah, j'y vais. Ciao. Monsieur est fatigué. Hein? Il est un peu fatigué là. Il a une petite tête là. Bon, on vient juste d'arriver, je suis fatigué, j'ai super chaud. Je viens de me rendre compte que ce que j'ai acheté, ce que j'ai mis dans ma valise, ça va pas. On va faire des courses. Shopping! Et voilà, je me sens beaucoup mieux maintenant. Avec un short. Mon dieu. Bon, la visite peut commencer maintenant. Oliver, where are we going? On sait pas où on va se balader au gré des... Je pense qu'on va manger un petit bout ou boire un petit verre. Just a drink or food? Both. Alors, ce sera manger et boire. Et voilà, maintenant on s'est arrêté pour manger un petit morceau quand même. Donc, quelqu'un a besoin de manger, il a pas le temps d'attendre, il a trop la dalle. Donc, on a pris des saucisses avec des frites et donc on s'est arrêté au Curry 36. Donc, Curry 36, c'est un stand qui est à côté de la gare près du zoo. Et vraiment, tout le monde fait la queue là-bas. Je crois que c'est l'endroit où aller pour manger un petit morceau. Alors, je vais goûter. Hein. Ça a l'air sympa déjà, je sais, Yves. Je valide. C'est super bon. Derrière, il y a Starbucks, mais bon, il est juste derrière. On n'est pas le Starbucks. Donc voilà, donc j'ai fini avec ma boisson. Et ici, en fin de compte, toutes les bouteilles sont recyclées. Et donc les clochards, les mendiants, enfin voilà les gens qui vivent dans la rue récupèrent les bouteilles. Et là franchement j'ai vu un système qui est super sympa. En fin de compte voilà, on peut déposer les bouteilles là comme ceci ou les laisser sur le par terre, enfin laisser au sol. On peut les déposer ici comme ceci et les personnes qui ont besoin d'argent ben, prennent les bouteilles et se font rembourser dans les magasins. Je trouve que c'est une superbe idée. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'Allemagne. Oliver se moque de moi parce que je dis toujours voilà, voilà. Alors, oh là là, les Français,
Oui, Macron, oui, la vie de la France, les champignons. Donc on est au restaurant Elefant, voilà. Donc leur spécialité c'est des schnitzel. Et donc ils en ont plein. Et aujourd'hui donc bon, j'ai pris un petit verre de vin tranquille hein, parce que là genre il fait tellement chaud ici. Et donc ensuite j'ai décidé de prendre schnitzel French style. Donc ça vient avec de la moutarde de Dijon, du brie overbaked. C'est-à-dire que c'est du fromage du brie, voilà, qui est posé avec des croquettes. Ça a l'air sympa, honnêtement. Waouh, ça a l'air délicieux, regardez donc. Voilà, donc le schnitzel qui est juste en dessous, avec le brie qui a été grillé par-dessus, voilà, avec une petite salade d'accompagnement. Et alors Oliver a pris, alors il a pris un schnitzel aussi avec alors de l'ananas. Mais ça c'est pas du tout mon truc, c'est comme les pizzas à l'ananas, ça passe pas du tout avec moi. Nice. Nah, it's not good. Voilà. Donc voilà, on va déguster, on va vous dire comment c'est. Die Rechnung bitte. Donc on va rentrer à l'hôtel, on est un petit peu fatigué, on a bien mangé surtout. Donc voilà, donc c'était super sympa. Première soirée à Berlin, franchement très bien. Là on est dans le quartier gay. Alors pour l'hôtel, on a choisi... On s'est fait plaisir, on a pris un upgrade. Donc on a une chambre un peu plus grande, un peu plus sympa, hein, avec un mini bar et tout ça quoi. Normal, on se fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Voilà, donc de toute façon j'ai fait une vidéo pour la chambre. Enfin la chambre et l'hôtel. I can show you how, express what you've got. Baby ready or not. Oh oui. Te lire une phrase en allemand de l'information de l'hôtel. Voilà, c'est ok. On s'accroche, on est bon. N'écoutez rien derrière là. Ok. Dieses Service zu nutzen füllen Sie bitte das Formular aus. On y va. Hein? Combien de points? 1 point. For my mark in German. Voilà, il me donne 8. Donc je parle très bien allemand, vous voyez, hein?